je vais faire attention à ne pas prendre une posture figée, d'autant plus que les états généraux de la bioéthique sont en cours et que quelque part l'avis de la ministre a peu d'intérêt. Je trouve que la loi Cleste-Donetti répond à une grande partie des problématiques de fin de vie qui sont les personnes atteintes de maladies très graves, qui souffrent. Elle ne répond pas à un certain nombre de pathologies, et notamment la pathologie dont souffrait Madame Baer. Effectivement, la loi Cleste-Donetti, elle ne s'adresse qu'à des personnes vraiment en fin de vie. Et donc, elle ne répond pas à des demandes qui sont en anticipation. J'attends de savoir quelles vont être les conclusions du rapport sur les états généraux de la bioéthique. On voit bien qu'il y a un débat à l'Assemblée et je voudrais que ce ne soit pas un débat de posture parce que ça mérite mieux. Les situations sont complexes, elles sont profondément douloureuses dans ces familles-là.